Nous debout parce que nous allons rentrer directement. Pendant que nous continuons à faire des chants, nous mettons debout. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu avec nos chants d'action de grâce, nos chants d'allégresse. Nous souhaitons disposer maintenant pour adorer mon Dieu. Nous souhaitons songer que maintenant, nous pas dans l'école, nous pas dans le travail, nous pas dans le marché, mais nous sommes dans la présence du grand Dieu suprême, bon Dieu qui règne en nous, bon Dieu qui protège nous, qui prend soin de nous. Nous avons dit ensemble le psaume 100. Avant que nous chantions le numéro 136 français du recueil des chants d'espérance. Allons dire ensemble le psaume 100. N'a pas de tout le monde qui est derrière, ça que beaucoup je nous place pour chita, mais au moins pas parler. Au moins pas parler. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavés avec des cantiques. Bénissez son nom, car l'Éternel, sa bonté dure et sa fidélité de génération en génération. Amen. Guys in the sound room, I'm going to ask you to please check my mic for me. There's an echo, if you can hear me. There's a feedback on that main mic. So please check that if you can. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu avec les paroles que nous trouvons au numéro 136 français du recueil des chants d'espérance. Auteur a écrit, il dit tout joyeux. N'a béni bon Dieu, mais tout joyeux. Ça le dit, c'est pas comme si moitié dans moins, si me fatigué avec toute complaisance, avec toute nos. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu. Nous sommes nous dans bain pour nous louer bon Dieu matin. Et si vous n'êtes pas dans bain, demandez bon Dieu pour prendre contrôle. Demandez bon Dieu pour l'Esprit Saint couvrir matin. Pour nous chanter la présence de Dieu. Les anges chantent la présence de Dieu. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Nous joyons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu nous son incomparable amour, du ciel envoie la sorte de ce nègre, et la terre est la seule dans ce jour. Ce n'est pour chanter ce cantique, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, ce chant. Le sentiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi comme en Alléluia.
et voler les souliers d'un forfait. Par le bas des souliers, bon nous fond pour la prière. Auteur a écrit, son humain tant que nous qui écrit, il dit, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. En Haïti, en France, en Afrique, en Angleterre. Que ce chant retentisse en tout lieu. Et qui ça chante, nous voulons mon sauveur. T'aimer par-dessus toute autre chose. Quand je vois ça, c'est dans la Bible qui dit, là, Jésus répond au commandement, il dit, aimer Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Ce matin, Seigneur Dieu, nous sommes venus, nous ne savons pas comment t'aimer, ô Dieu. Nous ne savons pas comment t'aimer, mais nous voulons t'aimer, ô Dieu. Aide-nous à t'aimer au-dessus de toute autre chose, plus que toute autre personne dans notre vie. Nous voulons t'aimer. We want to love you, but we do not know how to do it, dear Father. Please help us to do so. We want to come and worship you. Nous sommes venus ce matin, nous agenouiller devant ta face, nous humilier devant ta face pour t'adorer, pour te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté envers nous. Père, tu es bon pour nous. Tu as été bon pour nos parents et tu seras encore bon pour nous. Ce matin encore, nous sommes vivants. Nous avons la vie physique. Oh Seigneur Dieu, le sang qui coule dans nos veines, oh Dieu Tout-Puissant, nous avons l'oxygène. Et tu dis que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc nous voulons te louer ce matin avec nos chants d'action de grâce, nos chants d'allégresse, Seigneur Dieu. Les notes musicales, les chants de nos lèvres, oh Dieu Tout-Puissant, les mains dans l'air pour te dire merci parce que tu nous as sauvés du péché et de la mort. Merci parce que tu nous as protégés. Cette semaine, oh Dieu, il y a plein de monde qui tombe mourir en bavale, il y a plein de monde qui fait accident, il y a plein de monde qui est à l'hôpital qui pas tourné. Mais grâce à Dieu, nous-mêmes, Seigneur Dieu, nous là. Et si nous là, il y a raison pour nous célébrer, non, Dieu Tout-Puissant. Je demande, oh Dieu Tout-Puissant, anime-nous de ton esprit. De ton esprit, Seigneur Dieu. Permets que tout ce qui n'est pas de nature à glorifier Dieu soit sans effet ce matin. Et que ton esprit brille en nous. Ton esprit anime nos cœurs, Seigneur Dieu, afin que nous puissions te louer et t'adorer, ô Dieu Tout-Puissant. Pardonne nos péchés, ô Dieu, purifie-nous, sanctifie-nous, parce que nous ne pouvons pas le faire avec un cœur rempli de péché, ô Dieu. Purifie-nous, lave-nous. Purifie-nous, Seigneur Dieu. Ma priorité, ô Dieu, servir avec chaque monde qui font travail la matin, au bon sauveur. Permettre que vous êtes capable pour servir au Seigneur Dieu avec même esprit d'adoration. Ça qui n'a pas capable d'entrer, nous demandons, permettre que aussitôt que vous mettez pied dans le temple, permettre que vous êtes capable de sentir la présence de Dieu dans ce temple avec nous ce matin. Merci, oh Dieu. Restez avec nous pendant tout ça, nous pourrons le faire pendant le service, ça, qu'elle soit pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te prions au nom de Jésus qui nous a enseigné à prier en disant notre Père qui es aux cieux, que ton nom. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
Pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Restons debout pour la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Et on a pris les trois derniers versets ensemble. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Tout autour. Et voici, il était venu à la surface de la vallée et qu'il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements de sécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comment je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il me fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il y avait des gars, la chair crue, et la peau les bruits en dessus, et il y avait un peu de l'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute une nation, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ensemble, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai de ces sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous établirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit
sont ensemble. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, Wachita. Seul worship team n'a pas Wachita. Amen. Nous comptons où la matin. Hein? Et après l'espace devant, Ocheyo, menez moun qui vini yo, faire Wachita, parce que moun qui vini plus tard, yo toujours un problème pour yapjouen. Plasté après Wachita. Et puis moi, après, moun ap vante tout. Donc, monsieur, moi, de nous checker air là, bayon ti l'air. Amen. Surtout mesdames, yo, c'est yo. Depuis le fait chaud, après on est ça va être qu'on avec un ventilateur naturel. Donc, faites vos faveurs. 79 français, chant d'espérance, mélodie joyeuse. Où tu as chanté, il dit Maranatha. Longtemps nous t'ai dit Maranatha, nous capables de suivre ça le dit. L'année passée, après semaine réveil là, qui était prêché sur Maranatha, moi j'étais quoi que tout le monde connaît qu'on y a là, ça Maranatha, les dit pas vrai? Maranatha, 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 oh my God, my mic is still bad, guys. Christ revient. Proclamer ce beau message, et qu'au plus loin d'un rivage, il résonne d'âge en âge. Maranatha, right? Il y a les causes. Maranatha, 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 Christ revient. Maranatha, 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 Christ revient. Proclamez ce bon message et conclure. Ça tourne, oui, ok?
All right. That's the deuxième petit copier. Please stand for the scripture read, second scripture reading. Our second scripture reading is going to be found in Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, verses 31 to 32. Matthew chapter 5, verses 31 to 32. Matthew. Matthieu, chapitre 5, 31 à 32. Matthieu 5, 31 à 32. Matthew 5, 31 to 32. It was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, makes her commit adultery. And whoever marries a divorced woman commits adultery. The word of the Lord. Amen. Okay, two verses, right? Brother Woodley's being nice to you. Two verses, but they mainly suck not the verses, are you? It's really tough. Okay, I continue to chanter pour la gloire de Dieu. Cependant, nous pourrons rentrer dans la prière. Si vous passez, j'ai aucune raison pour prier matin, à part de vivant, à part de merci pour Marie, merci pour Madame, moi, merci pour petite moi, tout le monde à l'école, tout le bien, nous manger, nous boire, merci, nous payer carré là. À part de ça, priez pour la paix dans le monde. Okay? Le monde est plus que jamais bouleversé. Et les papes viennent plus bon. Si vous regardez la City of New York, c'est avec chagrin dans le cœur pour que j'en ville ça a plongé. Et ceci, ce n'est pas seul New York. Je parle avec un qui est Rhode Island, qui est Detroit, qui est Chicago. It's bad. Moun pas besoin de chercher moun nan fè noir encore pour tirer moun. Depuis moun nan gen problème avec, li vin pran bien vivant devant tout moun. It's really, really sad. La guerre partout. Priez pour ça. Priez pour Haïti. Pas penser que bon Dieu oublie Haïti, pas penser que pas d'espoir encore. Priez. Il y a plein de monde matin là, même l'église pour aller l'obligé à garder à gauche, garder à droite. Ou te wè non service d'adoration. Un pasteur, deux jeunes sœurs, il y a dans mi-temps, dans plein service d'adoration. Il oblige à baisser des chefs courir parce que vagabond examen. On t'attend un message parce que Taylor dans ce maintenant, il dit ça on pense quoi le passé. Petit vagabond ça qui a tué mon yo. Génération Timon ça. Ouais, il y a une malédiction quand en sous lit. Parce que tout monde pas de crainte pour bon Dieu, pour entrer dans l'église bon Dieu pendant service. Ou vin pran moun l'argent le fait ça le fait là l'occuper petite lavelle là l'occuper madame lavelle alors quand des fois nous héritier nan mauvais bagage nous pas même connait même c'est pour nous mettre bon Dieu grâce pardon nous pas comme ça pas nous te fait pas grand parents nous te fait et même crime vin de plus en plus mal bien grave on va chanter chanson moi je voulais sembler ou rédempteur béni mais n'a chanter trois couplets trois premiers couplets et puis au lieu de quatrième couplet m'a chanter il y a un couplet en anglais qui c'est premier couplet là on va poster le sur programme là à la fin OK on va chanter l'esprit d'adoration moi je veux sembler au rédempteur béni ça c'est ça qui désire avec la prière Moi v'lè semblé rédempteur béni, c'est ça qui désire avec la prière. Dans l'histoire, pas intéressant, si c'est mon moi. Semble Seigneur, moi je semble
français, Seigneur douceur, réponds prière, et prie mes pâtres. Pardonne-moi, nous moi, ressemblé, prie à compassion, bien et me pardonne, noble et tendresse, c'est pour aimer, et avec très bien, avec c'est le mot de tresse, noble et sanglé. C'est que les bassons, j'ai prié arriver. Ok. Ballon minute, d'accord. Nous prenons une position de révérence devant les dieux souverains pour nous capables de parler avec elle, nous capables d'avancer votre trône bénil. Nous capables de parler avec elle pendant que nous avons prié, nous capables de prier le tout. Seigneur éternel, le Dieu de grâce,
Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. Matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons lever voix nous devant Majesté bénie, Seigneur. Pour que Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes capables d'exalter nous, nous sommes capables de bénir nous, nous sommes capables de magnifier nous, Seigneur. Ou même celle qui méritait gloire, qui méritait louange, qui méritait adoration. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avançons votre trône béni, tout Seigneur. Nous demandons grâce spéciale. Nous demandons pardon, Seigneur. Pour péché nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, péché nous te commettre devant. Oh, pendant toute semaine, ça. Péché, Seigneur, à parole, pensée, action, réaction. Péché par omission et commission. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous coubons bien bas devant Majesté Benou matin. Nous demandons toutes ces grâces, Seigneur. Le moment ça, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avancez, bon trône Benou tout, Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, pour nous lever, Seigneur Dieu, devant notre congrégation. Afin que, Seigneur, vous capable de faire un toucher spécial. Pour chacun de nous, Seigneur Dieu, qui est en présence ce matin. Et si là, Seigneur Dieu, qui a suivi nous aussi dans YouTube, Seigneur Dieu, nous demandons un toucher spécial pour vous, Seigneur. Au Éternel, pénétrez dans nous, traversez-nous, Seigneur, avec esprit. Remplis-nous, Seigneur. Au Éternel Dieu Tout-Puissant, enveloppez-nous avec esprit. Afin que, Seigneur Dieu, nous sommes capables de sentir présence, Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, c'est vous-même qui guide nous, c'est vous-même qui tout pour nous, Seigneur. Sans vous-même, Seigneur Dieu, nous pas rien. Mais avec vous-même, Seigneur, nous tout ça, nous dépasser ça, nous t'a besoin. Éternel Dieu Tout-Puissant, matin, nous venons devant, Seigneur Dieu, pour Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel, pour que Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans bonté ou dans grâce ou dans miséricorde, capable de visiter Silao, Seigneur Dieu, dans d'autres congrégations locales, à travers le monde entier, Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, c'est vous-même qui connaît. Et si vous connaissez chaque côté, Seigneur Dieu, l'église où vous réunis, dans chaque local, côté où vous réunis, vous connaissez chaque adresse. Seigneur Dieu, nous demandons grâce spéciale et un toucher spécial pour chaque grand membre, Seigneur Kabadou. Bien, Seigneur Dieu, ô éternel, il est déjà la nuit, côté hier, Seigneur, qui t'es déjà adoré ou déjà. Ô éternel Dieu, tout puissant, me connaît, Seigneur, tu prends soin. Éternel Dieu, tout puissant, nous prions en grâce. Pour cela, ô Seigneur Dieu, qui n'a pas aisance pour adorer ou à cause des persécutions. Nous demandons grâce, Seigneur Dieu, c'est vous-même qui gardez dans le cœur. Vous connaissez chaque grand membre, vous connaissez Seigneur Dieu volonté pour adorer. Vous connaissez sincérité, Seigneur. Vous pénétrez dans le cœur et bénir tout, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avancez votre trône de nous. Gagnez qui dans la prison, Seigneur Dieu, à cause des paroles. Seigneur éternel, nous connaissons Seigneur, vous ne pouvez pas quitter seul. Car Seigneur Dieu Tout-Puissant, là, Seigneur Dieu, qui a souffert à cause de vous-même. Ô éternel Dieu, ou pas quitter, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, seul. Demandons grâce, Seigneur Dieu, ou capable de remplir tout, Seigneur Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour Seigneur Dieu tête chargée. Problème, Seigneur Dieu, gagne partout dans le monde. Guerre, Seigneur. Nous présentons, Seigneur Dieu, la guerre qui gagne entre Israël et Palestine, Seigneur. Bien que Seigneur Dieu m'a dit de fond cesser, mais c'est celle qui a résolu le problème ça. Nous demandons grâce spéciale, Seigneur, pour capable de dire la paix avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est vous-même celle qui a fait ça. Pas rien encore, Seigneur. Tendez-nous que vous-même, Seigneur, pas un problème, qui pas une solution devant. Tout problème, qui a une solution devant. N'a pas un problème, Seigneur éternel Dieu, qui a campé devant, pour le dire, il pas une solution. Mandons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô éternel Dieu, pour cela, Seigneur Dieu, qui a souffert, Seigneur Dieu, par une maladie quelconque,
qui a un problème quelconque, Seigneur. En l'occurrence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous levons notre bien-aimé Pasteur Léonard Charles devant le Seigneur, qui est malade, Seigneur Dieu, nous avons un toucher spécial pour lui, Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous levons, ô Sœur Marie Charles devant le Seigneur, afin qu'il soit capable de faire un toucher spécial pour lui, Seigneur. Nous levons Marie-Lucie, Seigneur Dieu, Robert devant. Au capable de faire un toucher pour lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous levons, Seigneur Dieu, un grippe devant, Seigneur. Ô éternel Dieu, qui va porter le bien, Seigneur, nous demandons grâce et un toucher spécial. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, chaque bien-aimé, Seigneur Dieu, nous tous besoin. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, gagne, cap souffrir corporellement, ô physiquement, cap souffrir, Seigneur. Oh, qui besoin plus que jamais et un toucher spécial. En l'occurrence, nous levons, Seigneur Dieu, c'est Massilia devant, nous levons, c'est Saint-Anis devant, c'est Petit Frère, Seigneur Dieu, c'est Rosette, et c'est Andrea Oscar, Seigneur, au toucher spécial à chaque bien-aimé, Seigneur Dieu. Au éternel, nous levons, c'est Dette devant, qui va porter le bien, c'est Jussi. Au éternel, font toucher spécial pour lui, Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous devons, Seigneur, bien, Seigneur, qui est dans la congrégation, en vérité, Seigneur Dieu, qui pas même connaît si malade, mais que Seigneur Dieu, qui est malade, des fois, nous malades, nous pas même connaît, et qui a des maladies spirituelles, tout. Étant donné que vous-même, Seigneur, c'est docteur par excellence, ni pour maladies spirituelles, ni pour maladies physiques, nous présentons ces malades, Seigneur Dieu, afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant soit capable font toucher spécial pour chacun de nous. Seigneur Dieu, remplis-nous matin, remplis pensée nous, remplis la vie nous, Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons, Seigneur Dieu, devant, pour nous lever la jeunesse devant, Seigneur, qui a tendance à glisser dans nous, Seigneur Dieu. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, c'est vous-même celle qui est capable de produire, Seigneur Dieu, désir, pour que Seigneur Dieu, jeunesse là, reprenne-le, Seigneur Dieu. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons grâce, afin que Seigneur, vous capable parler avec chaque Seigneur, vous capable bien désir, Seigneur Dieu, pour retourner dans le temps pour adorer en esprit, en vérité. Nous présentons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et notre bien-aimé, c'est Rosemarie Jean-Baptiste, Seigneur, récemment qui a fait opération. Nous demandons grâce, vous capable de faire toucher pour lui, Seigneur Dieu, vous capable de guérir complètement. Bien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a souffri à cause, Seigneur Dieu, de yon être cher que vous perdit. Ô éternel, nous demandons grâce afin que Seigneur Dieu porte consolation pour ces familles éprouvées. La famille Saint-Victor et notre bien-aimé Seigneur Dieu, Saint-Magalimac avec famille qui perdit grand-mère. Nous demandons grâce, Seigneur Dieu, pour notre famille Victor, Seigneur Dieu, au côté de notre perdu, c'est nous, et famille Bruno, Seigneur éternel. Nous demandons grâce, Seigneur Dieu, pour famille Mercier. Nous demandons grâce, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, pour notre bien-aimé frère Lazare qui était perdu, c'est lui. Ô éternel Dieu, certainement, qui a échappé nous, Seigneur. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, on connaît chaque graine, Seigneur éternel Dieu, qui était perdu en être cher, Seigneur éternel Dieu. Nous demandons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en pousser et pour Magali, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, Magali, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons grâce afin que vous portez consolation pour l'Iliac famille, Seigneur. Nous demandons grâce, Seigneur Dieu, afin pour chaque grand membre, chaque Seigneur Dieu qui était affecté par un deuil de la famille, un ami, Seigneur Dieu, nous demandons grâce et consolation pour chaque. Nous voulons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour Saint-Vincent, Seigneur Dieu, afin qu'on capable permettre que le pays ça retourne dans le normal, Seigneur. Et qu'on y a, Seigneur Dieu, nous avons gardé, nous avons un volcan qui débordait dans le Congo. Seigneur éternel, mandons grâce, afin qu'on capable contrôler le volcan, ça, Seigneur. Oh, Seigneur, il y a toute forme de problèmes dans le monde, mais Seigneur, il y a une solution pour chaque. Nous levons, Seigneur Dieu, pays ici devant, bien que je nous vois pays là, il charge avec problème. Il charge, Seigneur Dieu, avec des problèmes de mentalité, Seigneur. Oh, républicain, pas vle web, démocrate, démocrate, pas vle web, républicain, noir, pas vle web, blanc, blanc, pas vle web, noir. Seigneur Dieu,
Nous pas connaître côté bagaille ça briver Seigneur. Nous demandons grâce ou même Seigneur capable intervenir afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant ou pour des solutions à problème yo. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous lever pays d'Haïti devant un pays Seigneur Dieu qui finit crasé, qui finit séparé, morceau par morceau. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est criminel yo Seigneur qui gagne la voix au chapitre qui a fait ça au vle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous demandons grâce Seigneur. Ou capable dire ah Seigneur Dieu, c'est vous-même. Sachez que c'est vous-même qui Dieu, c'est vous-même qui dominez sur la terre et dans les cieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est vous-même seul qui Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, Seigneur. Pas gagné, Seigneur Dieu, bandit qui a campé devant, Seigneur. Éternel, lorsque vous répondez, oh Seigneur Dieu, vous frappez pied, Seigneur. Pas gagné, aucun bandit qui a campé devant. Demandons grâce afin que Seigneur Dieu vous délivre le pays d'Haïti. T'en prie, s'il vous plaît, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'évangile, parole ou, capable de prêcher dans le pays, ça, est capable de traverser le cœur bandit, est capable de traverser le cœur méchant, afin que Seigneur, est capable de rendre compte, hein, pas qu'un chef, pas qu'un rien devant, c'est vous-même, Seigneur, qui a tout pouvoir. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore, nous demandons grâce, afin que Seigneur Dieu est capable de remplir. Merci, Seigneur, pour, frère Jaou, de commencer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec elle, pour que Seigneur Dieu, nous sommes capables de gagner des chants. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant nous offre des chants et des prières, Seigneur Dieu, qui allaient dans nos oreilles. Mais Seigneur Éternel, nous sommes capables de parler avec nous tous à travers serviteurs, Seigneur Dieu, qui gagnent pour délivrer messages, paroles au matin. Permettre que chacun de nous soit capable de remplir le matin, déborder, nous sortir là édifiés et édifiés à salut. Fait Seigneur, Papa, nous demandons grâce de ça ici. Non, à cause de mérite, non, personne, parce que nous n'avons pas de mérite devant l'Éternel Dieu. Mais nous demandons toute grâce à vous, Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui-même seul, soit la gloire, depuis des siècles et des siècles. Amen. Crois en ton sacrifice, oh Jésus, Agneau de dans le front quand je crois ça prépare Amen. Grand homme qui était sous quoi beaucoup de Jésus, il était quoi dans sacrifice. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Et nous, on était quoi ça? Ça, c'est un qui merveilleux. Au cas dans l'évangile pendant 90 ans. On voit 90 ans, on va obtenir le retour, Christ. Alors que nous, ça, il fait toute ville, là, fait avec mal. Mais Jésus montrait que lui, c'est Dieu. Il montre que pas dans un cas campé pour le sauver, mon élève sauvé. Je crois à ce sacrifice. Chante ça, maintenant de nous pour nous chanter avec moi 66 créoles, mélodie joyeuse. Ça m'a demandé au campé, non? Ça va faire.
ou même regarder pour elle sous quoi piliquide alors chita à la yomé c'est comme si nous avons un chant. Je suis entré dans la synagogue et puis moi ouais après mon venu chita dans l'audience là mais quelqu'un qui vient il a fait une série de liturgies, il a une bible dans main, il a frappé tête, il a campé. Ou même c'est pas bah qu'on soit fait, mais c'est juste parce que on dit il y a la forme lever quoi pour me dire quoi. C'est un debout. 66 créoles mélodie joyeuse. Ala yon merveilleux merveilleux jour. Jour m'pap ka jamais oublié. Gapil nan oublié. Lèm te nan ténèbres perdu dans la boue, Jésus sauve moi contre. J'en pas comme jamais oublié. L'aime te perdit dans tes bouts. Jésus sauve-moi dans tes. A la yon femme qui déchante et satisfait mes parties.
ramasser toute force pour nous crier alléluia. OK, ça est pour la tête seulement. OK. On a ramasser toute force. Ouais, on a crié pour l'attendre. Amen. Ouais. On a crié alléluia. OK, OK. Bon Dieu, il t'entend nous. Amen. Je me suis là pasteur dans les annonces. On a dit alléluia avec tout être nous. Bon Dieu, mérite ça. Hein? Amen. Il mérite plus que ça, hein, pas vrai? Amen. OK. Maintenant, c'est le moment pour nous dire, est-ce que y a un bien-aimé qui visite nous pour la première fois? On a demandé le camper et que l'église est capable de connaissance avec elle. Est-ce que y a un bien-aimé pour ce matin? Hein? Non. Non, pas vrai. Donc, toutefois, si il y a un bien-aimé qui visite, qui habite visiter déjà, et puis qui là, qui a titre de visiter toujours, pourtant, qui gagne, qui est un membre baptisé d'une autre église, d'une église évangélique, et qui était pour un horizon, une autre qui a décidé pour devenir membre de cette congrégation, nous avons des cadres d'affiliation pendant l'officier. À passer, m'a dit un cas d'affiliation, ou à remplir pour nous, ou à faire nos gains, au moment opportun, nous sommes capables de faire appel à nous-mêmes. Nous connaissons après-midi, donc c'est juste un rappel parce que tout le monde connaît déjà, après-midi à 5 heures, et nous gagnons l'école du dimanche qui est en ligne des Sandefla, et à 5 heures. Donc, nous gagnons notre bien-aimé, c'est Magali Mac qui veut un cadre pour nous, parce que nous connaissons vendredi dernier, c'était enterrement, et c'était enterrement grande sœur Magali Mac. Et donc, c'était maman, pasteur, à Chile, à Saint-Victor, donc qui était fait bon ici, hein, et à. Pour ça, c'est Magali, ils vont en quatre. Il dit, tout pasteur Victor and my brothers and sisters at First Asian Baptist Church of Kanasi. It is with a heart full of joy that I am thanking for the support that you gave me and my family during our time of bereavement. Thank you. And the Lord continue to outpour his blessing to all of you, Sister Magali Mac and family. Donc, ça c'est de notre bien-aimé, c'est Maga, qui vous est. Et on va continuer, demain si Dieu veut, avant ça, le président de Goutte-Damelin et c'est Cheol, li voye remercier tout un bien-aimé qui t'a participé dans cri de minuit vendredi soir et donc li dit que il t'a senti que présence bon Dieu en même temps yo donc ou même qui dame donc chaque dernier vendredi yo gen c'est la dernier vendredi troisième bon chaque troisième vendredi yo gen cri de minuit commence à 11h pour minuit. Il est très bien. Il a prié pour tout petit monde, pour Génio, surtout. Donc, pour bon Dieu Kembeo dans l'évangile. Nous voyons comment ça tape ta guette Génio. Donc, il est important pour nous capables de prier pour yo. Il dit que, semaine ça, il y a pas gagné 3 réunions de prière dans ligne, là, dans le réseau. Demain, si Dieu veut, qui va lundi 24, mais, il y a gagné réunion de prière ça pour Kai, c'est Henriette Pierre, c'est pour lui qui réunion pour hier ça fait. Jeudi soir, si Dieu veut, qui va 27, et c'est Kai, frère Jean Lazare, c'est pour frère Jean Lazare que Jack Jean Lazare qui pour hier ça fait. Et, bah, on a pour qui ça mettait jeudi avant vendredi, anyway, mercredi, si Dieu veut. Mercredi, si Dieu veut, la main ministry, ok, main ministry a vu ensemble avec dame, groupe dame là, puis on mettait ensemble pour prier pour Serdette, Serdette Tulé Victor, Serdette Diagonès
c'est lui-même et pour lui-même il y a sa fête. Donc il y a un spécial et annonce que nous pas le temps de par Sœur Judith Alexis qui a fait un spécial annonce pour nous pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, grâce bon Dieu avec nous. Amen. Nous pas semblé mon grâce bon Dieu couvrir nous. Bon Dieu bénis nous. Amen. Nous comptons matin pour nous avec une assemblée et nous venir dans souci pour nous aider ti moun nou yo rete la caille Seigneur. Nous même groupe d'âmes qui en bas direction Sœur Cheryl Victor, nous voulons organiser une séance, une conférence lundi 31 mai. Ça veut dire lundi, oui, pour Memorial Day, à 5h dans l'après-midi, nous voulons organiser une conférence qui sous thème qui ça nous-mêmes parents nous capables faire pour aider ti moun yo rete la caille bon Dieu, servi bon Dieu. C'est madame Rosemont Toussaint qui va conférencier nous, li sorti Jacksonville, Florida, et nous pap n'a travail sous ligne monsieur yo, frère Jean Obatan de nous, mais n'a travail sous ligne monsieur yo 305 848 88 88 305 848 88 88 pin nan c'est 228. Nous invitons toutes parents, toutes amis qui là, toutes jeunes mariées, madame Vanov, pour nous capable vinn participer avec nous dans conférence ça. Vinn di nous qui ça ou fait pour aider ti petite Paula rete la caille bon Dieu, nous même n'a vinn di qui ça nous fait et ensemble n'a cher idée nous yo pour nous capable gagner victoire dans combat spirituel ça n'a mené pour nous gagner ti moun yo pour Seigneur. Mais espérer que nous invite yon moun. Nous pas besoin tout moun l'église là n'a tant nous papa, maman, tout le monde, mais n'a bon l'autre mission. Invitez un l'autre maman qui bon koto, invitez un l'autre papa qui bon koto, vin tande, vin di nous expérience pa yo et ensemble n'a goumen pour nous mener ti moun yo bay Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous. N'a rectifié pour pasteur va couper tête. Moi mercredi si Dieu veut nous pas travailler avec monsieur non, n'a travail sous ligne l'église là, mais nous pour aller la caille sœurette. Merci. Bon Dieu bénisse. C'est pas moi, c'est comme ça, j'étais bon moi, me fait le comme ça. De toute façon, donc c'est là nous te gagne pour toute annonce que nous te gagne pour semaine ça. Et gagne une annonce spéciale aujourd'hui et c'est une annonce que lui fait nous un petit gens sad mais nous happy. Pour progrès que famille a fait, mais li fait yon ti jan pas fin content. M'baron, si nous te fait expérience ça, le nous te en Haïti, nous gyon moun kap parti, kap pour avion, kap vin New York, nous connaît la vie de famille là, nous connaît la vie de famille là, nous content, mais nous pas d'appeler séparation en fait. En d'autres termes, nous t'avle ça. Bon. Alors c'est cas nous aujourd'hui nous gain Jack frère Daniel Moïse avec famille qui a déplacé et qui font acquisition dans New Jersey. Donc la difficile bio ta vinn chaque dimanche bo ici nous ka comprendre ça mais on seul bagaille m'badavle n'aller nous pas trace non et sinon au moment quel pot moyen nous gagne nous capable vinn adorer ensemble ça va faire nous plaisir parce que nous toujours considérons comme petite caille et donc pour nous rendre barre la plus courte n'a pas vraiment des familles à monter bon ici pour nous faire une prière spéciale pour yo à gon bagaille me veut dire en public en toute réalité les monde qu'on s'a déplacé nous qu'on fait des plaques pour nous bailler bien aimé yo les malles dans la place là jusqu'à présent ou pas ouvert donc ça veut dire que n'a va excuser nous Freda avec famille que nous pas té gain opportunité pour nous te faire plaque là
Mais n'attend les bagages bon, les bagages ouverts, eh bien, qu'importe là nous t'agir, nous doit l'église là doit plaque là. Donc, je crois que faut nous monter nos jazz ouais quand là quand même. Et donc, n'a demandé faut m'y monter bon ici et puis les leaders de l'église, pas seulement les diacres, nous connaît Frère Daniel c'est diacre, mais leader l'église yo. Et foi ils vont là-dedans et dès l'église yo a monté pour nous capable faire une prière spéciale parce que déplacement c'est on et elle recommencer un autre quartier son l'autre donc il est très important pour que nous capable que bon Dieu lui-même c'est lui-même qui pour diriger pour que yo capable prendre cap yo pour trouver et yo capable vivre en sécurité côté pour aller. Nous avons combien membres de l'église l'a perdu un coup. Ça pas qu'à faire nous content. Amen. Mais en même temps tout nous pas qu'à égoïste pour nous t'a dit que si on pas trouver moyen bon ici pour pas va faire un acquisition de l'autre côté. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Oh, mais je suis prêt. Et soutiens ma foi. La sombre vallée. L'âme est consolée, je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul, Jésus mon sauveur. Assemblée à camper et puis longer mes noms sur bien-aimé. Nous tous, pendant ce temps, nous tous à participer dans la prière. C'est très important. À nous lever voir nous devant le Seigneur qui lui-même qui pas de limite. Tout terre, c'est pour lui. Amen. Nous avons un côté que vous y est, bon Dieu, pas dominé sous lui. Seigneur éternel, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Dieu de grâce, de bonté et de miséricorde. Seigneur Dieu, tout puissant, nous venons devant, on coupe, Seigneur Dieu, bien bas devant Majesté bénie, au matin, Seigneur. Seigneur Dieu, tout puissant, nous venons devant, en faveur, Seigneur Dieu, la famille Moïse, Seigneur, qui vient pour déplacer, qui te boucline, Seigneur Dieu, tout puissant, pour Seigneur Dieu, aller, Seigneur Dieu, tout puissant, bon côté, nous jaser, Seigneur, côté, Seigneur Dieu, c'est là où tu as un plan déjà pour eux, Seigneur. Pour aller localiser eux dans zone là. Seigneur Dieu, je ne pas qu'on rien de zone là, Seigneur. Je ne pas qu'on rien, Seigneur Dieu, tout puissant, de futur, Seigneur. Mais ou même, ou bien contrôle là. Ou bien tout temps, si Dieu, tu t'y en main. Seigneur Dieu, tout puissant, c'est ou même qui gagne contrôle futur, Seigneur. C'est ou même qui connaît dans quelle école, si vous n'y a pas allé. Et ou même qui connaît, Seigneur Dieu, tout puissant, qui côté servant après le travail. C'est ou même qui connaît, Seigneur. Dans route pour te descendre, côté Frère Daniel, gagne pour venir travailler. C'est vous-même qui gagne tout pas pour vous, tout bagaille dans le monde, tout situation dans le monde. Éternel Dieu, nous demandons grâce, Père Saint, afin que Seigneur, tout bagaille ça, capable, Seigneur éternel, Dieu tout puissant, ou capable, Seigneur Dieu, ouvrir route pour vous,
pour que Seigneur Dieu bagaille au fait, pour que Seigneur éternel Dieu ou capable craser barrière pour yo puis passer. Oh éternel Dieu tout puissant, couvrir en bas grâce ou oh pour sécurité Seigneur dans zone côté à bière. Seigneur Dieu tout puissant, que l'ange de l'éternel comme autour de cette famille. Seigneur Dieu tout puissant, la parole nous dit, Seigneur Dieu, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Seigneur Dieu tout-puissant, arrachez au danger. Pas qu'ils soient tombés dans le piège, dans le danger, Seigneur. Nous voyons, Seigneur Dieu, au nom de vous-même, un bon bruit là, où, Seigneur Dieu, pour que Seigneur Dieu, famille s'arrête et marche un bon bruit là. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps, Seigneur Dieu, que nous louons, que nous bénissons, que nous exaltons, Seigneur. Nous remercions déjà, nous remercions déjà, Seigneur, car Seigneur Dieu nous connaît, ou pour notre Seigneur Dieu, déjà, Seigneur Dieu, nous connaissons, répondre pour prière, nous, Seigneur, pour que Seigneur Dieu, toute bagarre allait bien pour vous. Nous demandons grâce à vous, éternel, parce que nous bons, nous dit, nous méritons devant. Mais nous demandons, Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui-même seul soit la gloire, depuis des siècles et des siècles. Amen. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus m'en sauve, mes gars. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais. Dis-nous. Les quatre là. Et naissant Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux, la champignole, c'est la prière, recommande sa mort de aux cieux, la champignole, c'est la prière. La paix de Dieu avec nous. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, je ne vais pas aller pour me dire des trois mots. 2006, 2021. Ça fait 15 ans depuis ma pardonné ici dans l'église Canassi. C'était dans l'époque ça que bon Dieu te voyait moi ici dans l'église là. Côté n'a parlé partout, n'a cherché une assemblée pour nous adorer. Mais nous te focus sur une assemblée qui cap servi bon Dieu qui dans bonne direction. Et là l'Éternel te voyait nous pas ici à côté que nous nous béni. Et m'a pas qui me service là longtemps, ça me cap dit en général. Moi tu entré dans l'église Canassi comme un chrétien qui est à l'église comme ça, comme un homme religieux. Que moi, je suis à l'église, chaque dimanche, je suis à l'église, je fais une aide dans le service. Je suis là, quand je suis dimanche, je suis venu, c'est comme ça que je suis fait. Mais malgré que je suis baptisé, je suis tout le bagaille. Mais je suis venu rentrer à l'église Canassi, je suis venu me comprendre, pour un chrétien, il n'est pas comme ça. Il n'est pas de prendre 3 ou 4 mois pour me changer complètement. Capable de l'âme soutenir venu ici là comme nous juste adorateur comme ça mais m'a sorti un chrétien. Amen. Et c'est une plus grosse bénédiction que bon Dieu fait. Nous avons déplacé nous pour aller Berlin New Jersey c'est 2 ans. Mais n'a pour moi de très souvent parce que m'était nécessaire m'était font changement mais il m'a qu'il travaille moi dans city. Après calcul moi li paté avantageux pour moi pour l'âge moi et par rapport des bénéfices que dans travail moi et pour me quitter li parce que nous gagne en pile collègue nous qui travaille pour même compagnie
qui fait va-et-vient, qui travaille, et avec plusieurs qui parlent toujours. Et nous sommes capables assez souvent, nous pas aller, qui n'ont pas pour nous. Côté femme, nous sommes capables souvent, moi-même, assez souvent pour moi, je suis toujours capable, ben, pas chaque dimanche, mais je suis capable de venir adorer avec nous. Et moi, je dis bon Dieu merci, et je ne peux pas oublier, comprendre, parce que nous connaissons dans la vie, majorité des gens qui sont déplacés de New York à l'autre côté, il y a deux raisons communes là-dedans. 90% déplacés pour deux raisons. Je vais citer yo. Qui fait yo quitter New York malgré le travail à New York ou l'autre côté. Mais, et que nous vraiment et tristes pendant nous parler là, nous pas qu'à changer d'idée, comprenez, parce que bon Dieu est en fait plan pour nous, mais vraiment, et nous avons songé ici, c'est ça fait que nous apprenons assez souvent, parce que nous toujours considéré Pasteur Victor, c'est pasteur. Quelle que soit l'église, je suis allé, je suis adoré, je suis toujours dit pasteur à ça. Il n'y a pas fort, pas pour moi, quelques dimanches ou pas pour moi. Parce que je suis la caille, moi. Parce que moi, pasteur Victor, toujours pasteur moi. Il est pasteur moi pour être moi. Et assembler ça, après être assemblé moi. Et nous demandons de nous aider, nous prier. Pasteur dit, pour plaque là, même, quoi, prier plus que plaque là, toujours. Et de nous prier, assez, nous voir nos zones que nous ne connaissons pas, qui ont leur environnement, et que tout bagarre est capable d'aller bien pour nous. Bon. Pour finir, et sorry pour tant, je suis en liste, même 25 à 30 personnes. Je suis capable de remercier. Malgré que je suis toujours bon ici, toujours, mais je suis remercier. Influencer ou influencement. Pasteur Victor, il te recevoir nous, tant qu'on famille, avec madame ni, Sister Chao. Pasteur Coulange et madame ni, nous ne pouvons jamais oublier l'accueil de tes jeunes d'entrer ici. Nous n'avons pas aucune raison pour aller visiter notre église pendant que nous avons marché visiter l'église. Pendant que nous venons le premier dimanche, nous avons dit que c'est là pour nous adorer, c'est là pour nous voir. Et ça fait, je dis, Pasteur Victor, ça, devant l'Assemblée, où c'est Pasteur moi, pour toutes les raisons. Je vous remercie, Jack Ekil, et pour le caractère. Parce que moi, je me parle de côté, premièrement, je vais observer. Je vais parler vite, je vais parler souvent. Mais m'a observé à tout le monde va dire avec eux. Mais frère qui le gon bagaille moi dans lit pendant 15 ans ba jambe côté le fâché. Et moi senti son monde bon Dieu servir avec lui et que lui gon caractère leadership et tout le monde capable servir avec lui. Bon comme li sa de 25 monde ba ka ki service trop. Mon gon dernier l'autre monde obligé. C'est Jack frère Jao Jacques. Parce que j'ai un bagage spécial que bon Dieu bali, on capable pas gagner, on capable pas gagner. On capable de imiter lui, mais on pas jamais temps pour lui. Bon Dieu servir avec lui et s'ouvre apprendre ça dans tête lui à la baoule. L'ouvre les râler corps pas veut participer lire à l'eau, mener on venir servir avec vous, de finir mettre là. Sur ça bon Dieu bali c'est parler, son caractère de et lui gagner. Merci que nous intéressés de servir avec nous supporter. En pile jeune, en pile monde a bénéficié par lui-même. Et je suis capable de dire, involve-moi ici dans l'église, dans le groupe dominant et d'autres activités. Et ça arrête dans moi-même. Et je me demande de continuer à bénir. Et que ça va continuer à travailler avec l'autre qui a béni pour faire plus d'expérience. Ok, merci mon frère. Que mon Dieu bénisse. Après, bon Dieu avec nous. Lizzie l'a toujours passé. Ça veut dire qu'il était toujours mangé chaud tout le temps. So, loin. So, frère Daniel, on a vu une retour, on a cherché côté hier, pas trop loin, deux heures de temps, c'est pas trop loin. Son bel bagage, nous dit bon Dieu merci, nous pas prendre trop de temps, mais quand même. Timounio avec frère Daniel là, il était tout petit, le gars doit grandir. Il prend un côté, il a bien Timounio, il a bien Chamio, ouais, Fiona, ta grande mademoiselle, comprenez? Donc, it's a beautiful thing. So, let nous voyons l'autre a fait si progrès, ça nous fait. Nous content pour vous, pas vrai? Content tout bon, oui, bah. Content tout bon, oui, ok? Good. All right. Et bah, comme c'est, oh, lâche les cailles. You know how it is, ok? All right. C'est pour nous content, let nous voyons l'autre a fait si progrès.
Hier, mal dans une synagogue juif, moi, je dis, un grand rabbin est venu à parler avec moi, il dit, you Haitian? Of course, il a dit, accent. Je dis, yes, I'm Haitian. Et puis, il dit, Haitian people, good people. Il dit, vous êtes tous venus là, je jamais vous baptisé, toujours travail, Dieu, ceci, ceci, cela. Tout le monde connaît, nous venons, nous faisons. So, non? Anyway, nous comptons dans la présence de Dieu, nous comptons, nous sommes frères et sœurs. Moi, je lis un article dans ce moment qui dit que ce n'est pas haïtien, ce n'est pas chrétien qui écrit, c'est des professeurs à l'université qui font recherche. Je dis que, ouais, les gens qui sont dans l'évangile, je n'ai pas même dit qui sont bons chrétiens, non, mais les gens qui ont une bonne foi religieuse, je dis que, ouais, quelques traits caractéristiques là, ils vivent plus longtemps. Puis là, nous, là, regardez-vous, ils vivent plus longtemps. Ils ouais que les gens ont des problèmes cœur. Yo survive problème que y a pi bien que l'autre monde qui pas dans bon Dieu. Ça c'est professeur universitaire qui pas dans bon Dieu non. Et puis on dit troisième barre là on dit post surgical surgery. Yo dit pi for l'autre monde qui fait opération cœur en pile fois qu'on pas make it après ça. Mais monde qui dans bon Dieu le plus souvent les docteurs viennent dire parole là, yo dit ah ben tout mais bon Dieu. Ah ben pour que ça vous pas bon, si pas rien ouais ça. Ouais nous pour que ça vous même avant pour nous pas pour moi d'après. On va encourager chaque après-midi gon scripture reading qui fait en anglais. Yo fait c'est peut-être monde qui pas trop à l'aise dans créole yo qu'attendé lui. Mais je me demande qui même monde qui tendé vrai pas là. On va nous gagne un paquet de jeunes là qui fait reading là. On va Jarvis commencer, Vernon prendre Brittany continuer hold on. I'm going to Benisha. Jerusha vient continuer. Après ça, Brittany prend. Jonathan prend lui. Jonathan lui, même son pasteur. Elle finit, c'est pour dire, mais the Lord of God. Je dis, monsieur, he's going to be a great speaker. But anyway, encouragez, tendez, yo. Dites-moi, vous comprenez ça me fait même des fois? Moi, copier, moi, cote lui, moi, paste lui, moi, il va. L'autre jeune, moi, je ne connais pas dans l'évangile. Parce que au moins, ça le café. Li capable de t'attendre mais est-ce si on joue bon Dieu fait l'ouvrir li t'attendre parole bon Dieu comprenez so Lord is scripture reading ça vient en anglais courtly pacely well by jeune Simon comprenez all right nous pral passer dans les le ramas des offrandes et des dîmes nous pral demander Osher fait ça pour nous fois ça ensemble demander ce magi I would love to hear the piano a little bit more because this chef d'œuvre ça we have to hear it okay maman de ma es either play low or don't play. I'm going to see my play on shark, you know, curly, and then peut-être un petit saxophone d'early pendant que au frère n'a fait. Vous comprenez? Moi, c'est ça qui fait au frère sortir plus bien parce que t'as des. Hein? Non? All right. So. Thank you.
Jésus, nous te merci pour grâce, merci pour tout ça qui fait déjà, merci pour offrande qui se ramasse. La demande va bénir, offrande ça, multiplier et permettre que tu sois capable de servir dans ton ministère. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Ok, dernier campé, en nommé de nous debout. Pendant notre campé pour nous chanter chansa, nous avons chanté trois, il y a quatre couplets, nous avons chanté un à deux en créole et puis quatrième couplet, nous avons chanté en anglais. Maintenant, si pas oublier, dis-nous, mais bonne nouvelle là, moi, que président Biden dit la bail. TPS pour 100 000 monde. Parce que vous avez oublié ça. Donc, je pense que ce sont très, très, très bonnes nouvelles. Et bon, ce n'est pas un l'homme n'a pas mais remerciement, mais n'a pas dit bon Dieu merci pour tout le monde qui a vécu dans le pays qui n'a pas au final. Donc, moi, annonce pour le matin que je dis 100 000 monde qui a bénéficié dans. Mais c'est que tout haïtien qui a vécu dans le pays à cause des situations en Haïti, je dis qu'il n'est pas bon pour vous, Haïti. Haïti retourner back dans l'enfer ça. Premier couplet, deuxième couplet et quatrième couplet en anglais. OK, on a chanté militairement parlant. Honoré puissance nom Jésus, tout ange doué face à te. Pote vini couronne puissant. Honoré puissance ton Jésus, ton ange face à terre. Porte béni, couronne puissante, et couronne du Seigneur. Porte béni, couronne puissante, et couronne du Seigneur. Choisis nos races royales, mon cœur bon Dieu racé. Rends-toi pour lui qui bat nos cieux à vous, roi du Seigneur. Rends-toi pour lui qui bat nos cieux à vous, roi du Seigneur. All hail the power of Jesus' name. Let the angels prostrate fall. Wait for the royal diadem. In glory, Lord of all. Wait for the royal diadem. In glory, Lord. Gloire à ton Dieu, adoration pour toi.
abobat mon Dieu, les mères et les gloire, gloire mon Dieu, adoration mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu, les mères et les May the grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. Let me take some water, sorry. Today we find ourselves in the midst of a sermon series called the Sermon on the Mount. Aujourd'hui, nous joignons dans le temps une série que de messages qui relèvent le sermon sur la montagne. The Sermon on the Mount covers Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, and Matthew chapter 7. Il y a les sous Matthieu 5, 6 et 7. We understood that the Sermon on the Mount began with the Beatitudes. Nous comprenons que il commençait avec les Béatitudes. The Beatitudes, Jesus says, blessed are such and such person. Blessed are such and such persons. Dans Béatitudes, bon Dieu a dit, Jésus a dit, heureux sont ceux-ci, heureux sont ceux-là. And then beginning in verse 13, Jesus opens up a new topic. À partir du verset 13, Jésus ouvre un autre titre, un autre message. He talks about being the salt and the light. Il commence à dire que nous sommes sel et lumière de la terre. And then, verses 17, going down, Jesus begins to talk about the relationship that we have with the law. À partir du verset 17 à 20, il a parlé de relation que nous avons avec la loi. But I want you to see something important in verse 20. This is something that it's probably, we might overlook this passage. But I want you to see something in this passage. Let's look at Matthew chapter 5, verse 20. Matthew chapter 5, verse 20. It says this. It says this. I tell you, unless your righteousness exceeds the scribes and the Pharisees, you will never see the kingdom of heaven. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Did you hear that? Est-ce que vous entendez ça? Many of us, when we hear a Pharisee, en plein nous, les notaires des pharisiens, you say, oh, well, they were hypocrites anyways. Nous dit, ah, mon ça, c'est des hypocrites. But you have to look at it how the disciples saw the passage. Jesus says, unless your righteousness exceeds the Pharisees. Jésus dit là, à moins que justice surpasse celle des pharisiens. You won't see the heaven. I wanted to say something. There's no group in Israel that was more dedicated to their religion than the Pharisees. Pas aucun autre groupe dans Israël qui était plus dévoué dans la religion que les pharisiens. The common Jew looked at the Pharisees with the greatest admiration. Régulier juif, les regards des pharisiens, ils regardaient avec honneur, avec admiration. When a Pharisee turned 2 years old, les petits pharisiens devenus 2 ans, they would take the scroll of the law. Yo prend and they would put honey on it. You met the siomiel là-dedans. And then the child was supposed to lick it. À 2 ans, Timon a commencé à nicher. So that they could remember
they could remember the passage that says, "How sweet are your words to my taste." Son façon pour ti moun te ka belle bigan pour songer parole bon Dieu qui dit comment parole bon Dieu douce. At 4 years old, he would memorize the book of Leviticus. How many of us have ever memorized the book of Leviticus? By the age of 12 years old, he had to memorize Genesis through Deuteronomy. As a teenager, he memorized the prophets and the Psalms. They kept hours of prayer wherever they were. Even if they were in a temple or the marketplace, or even in the street corner, they always made sure that they prayed many times a day. They fast 2 times a week. How many of us fast? They didn't just tithe. Some of us, we tithe, but they didn't just tithe their money. They tithe everything that they had. Even their spices. And here is Jesus Christ. And he tells you that if your righteousness does not exceed the righteousness of the Pharisees, you will not see the kingdom of heaven. Do you hear that? Which means that Jesus is about to introduce to us a new kind of righteousness. Qui veut dire Jésus a introduit par nous là une nouvelle espèce de justice. You see, the righteousness that the Pharisees had was external. Justice pharisienne était son justice extérieure. But Jesus is looking at the heart, internal. Jésus a regardé en dedans, l'a regardé le cœur. You follow? So externally, the Pharisees did not kill or murder. Extérieurement, pharisiens yo pas de tuer monde, yo pas de meurtrier. But internally, they had hatred in their hearts. So if your righteousness only looks external, and your righteousness is not internal, you're not washed from the heart, you will not see the kingdom of heaven. And the Pharisees, externally, they did not commit adultery. But inside their hearts, they would look at people with lustful intent. So externally, they were righteous. But internally, they were dirty. Do you follow? I want to ask you a question. Are you only externally righteous? Or do you ask God for forgiveness even when the bad thoughts come in your head? And then Jesus talks about adultery. And he says that if you look at a woman with lustful intent, you have already committed adultery. And I want to say this, that as Jesus said, that if your right eye causes you to sin, cut it off. As we learned last week, that's not literal. But if you say, "I repent of my sins," I want young people to hear this. You might cry and say, "God, forgive me." Because you looked at something on the computer that you were not supposed to look at. But the computer stays in your room. You are not cutting it off. And that's the kind of repentance that Jesus is looking for. Are you serious about your sins? Or do you just say, "Oh God, I'm sorry"? Now we come
to the an extension of the adultery topic. Now Jesus is going to speak about divorce. Now when he does so, he's going to say that those who divorce and those who marry someone else, they commit adultery as well. That's not the Pharisees. The Pharisees were content that if they just had a certificate of divorce, they could just remarry anybody. They could just divorce somebody for no any reason. Well, this is the purpose of my sermon today. I want to say a few words before I begin. This sermon is going to take up two Sundays. It's not going to just be today. It's going to be next week as well. So I'm doing this so that I can take, so I can go slowly with you. Because I understand that this is a serious topic. I understand that there may be people here who have had experiences. And that it might lead you to condemnation. My purpose of the sermon the first purpose of my sermon is, number one, I want to be faithful to what Jesus is saying. I don't want to skip over any passages that's difficult. Amen? Now, I also want to say this. This passage is not necessarily for those who had already committed, who have already divorced. It's not for those who have already divorced and remarried. This passage is for those who are married, and maybe you might be going through hardship in your marriage. Maybe you might be contemplating divorcing. This passage is mainly for that category of person. And then this passage is for the young singles too. This passage is for you in the sense that when you are considering marriage, you have to think of it for a lifetime. You can't think of it in a sense that, oh, if things don't go well, then okay. So let's begin. My basic premise is this. An unbiblical divorce Yon divorce ki pa biblique, and an unbiblical remarriage yon remariage ki pa biblique, constitutes the sin of adultery. Li constitue péché d'adultère. When I was in seminary, one of the papers that was difficult, one of the assignments that was difficult that I had to write about, was the topic of divorce and remarriage. It was difficult because I understood that so many people have different views. When I was reading certain people and what they would say, wow, I believe what this is saying. And then I read another paper,
that contradicted that. And I said, wow, this one makes even more sense. And so what I'm going to tell you right now is that Christians have different perspectives on this topic. I promise next week we're going to expand on that more. But the three main views that Christians have is that the first one is that Christians are not allowed to divorce or remarry under any circumstance at all. The second view that a Christian is allowed to divorce and remarry if there is sexual immorality in the marriage, or if an unbeliever leaves the Christian. That's the second view. The third view is this. A Christian can divorce for sexual immorality and for an unbeliever leaving. The same thing. But they're not allowed to remarry. Do you follow the three views? Okay. Based on, I want to do an experiment. I want to see, based on number one, number two, and number three, which one will you say you believe in? One, two, or three? Three, okay. Everyone here, any other? Anybody who says two? Okay. Okay. Anybody else? Okay. So, many of us might already have a position already. And I want to explain, I'll expand on this later on. But the way that I see the Bible, I believe that divorce and remarriage can be done under rare circumstance of sexual immorality and if an unbeliever leaves. Divorcé et remarié dans quelques rares circonstances, surtout dans le cas adultère, et bien si un non-croyant dans le mariage là, t'es quitté ça. Now, I want to say, I will explain it a lot better next week. But I just want to bring this before you so that you can understand where I'm coming from. And then, hopefully, Lord willing, we will expand on it some more. But first of all, today, I just want to give us, I want to give us a basic structure for our sermon. We want to talk about marriage. And we want to talk about the fact, and we want to talk about divorce. In a parlé de divorce. In general. In the book of Genesis, God is the author of marriage. God says, it is not good for a man to be alone. I will create a helpmate for him. For this reason, a man should leave his mother and father and be joined to his wife and become one flesh. Marriage is a one flesh union. Two people become one. A man cannot separate from his mom, a man can separate from his father and his mother,
But a man cannot separate from his wife because they are one. Mais un garçon pas qu'à quitter madame Lee parce que il pas qu'à séparer de madame Lee parce que deux à son seul chair. So just why Jesus picks this up. Jésus prend base sur ça. And he says that therefore what God has joined together let no man separate. Et ça fait quoi dire que deux mondes que bon Dieu joint ensemble puis qu'il y a personne monde séparé. When you are one, no, son seul, you cannot cut yourself in two, can you? In the same way, when you are one with another person, you cannot separate. Another thing that marriage is marriage is a covenant. A covenant. In Malachi chapter 2, verse 14 to 15. Malachi chapter 2, verse 15. Look that up, actually. Malachi, chapter 2, verse 15. Malachi, we need to see that one as well. Malachi, chapter 2, verse 15, guys. Si mon nom allait bien vite. Il dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité de Dieu. Lui, que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. What verse 14 says? The word in verse 14, I have the word covenant. In verse, he says, but you say, why does yes, he not? Yes, yeah. Non. Et mm-hmm. vous dites, verset 14, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc, okay, good. A covenant is a contract. Une alliance, son contrat. It cannot be broken. Il pas qu'à briser. God even makes covenants with us. Bon Dieu même fait alliance avec nous, qui homme. He makes a promise to us. Il fait promesse avec nous. And if God makes these promises, s'il fait promesse, they cannot be broken. Promesse ça, ou pas, j'aime qu'à lui. Therefore, if you are struggling in your marriage, and you think, I want a divorce, that thought should not be entertained. Because you have made a covenant, a contract before God. And that covenant should not be broken. A third thing that we're going to see about divorce is this. Is that divorce distorts the picture of what marriage is supposed to be. Divorce, ça le fait, il change, il tord des photos que mariage est supposé lire. Marriage is a picture of the relationship between Jesus Christ and the church. Mariage son tableau, son photo de relation bon Dieu que Jésus gagnait avec l'église. The church is considered the bride of Christ. L'église considérée comme l'épouse de Dieu de Christ. If and Jesus Christ says to his church that he will never leave his church. Jésus promet l'église qu'il va jamais quitter l'église. Jesus makes a covenant with his church. Jésus fait alliance avec l'église. Jesus, when Jesus and the church become one, Jésus avec l'église devenu un seul. Jesus is the head and we are the body. Jésus c'est tête là, nous même l'église, nous c'est corps. Jesus will never leave or divorce his church. Jésus dit, il va jamais quitter l'église, il va jamais divorcer l'église. When you are married, you and the way that you express yourself within your marriage, you are saying something about Jesus Christ and the church. L'homme marié et puis on va exprimer un bagage qui a passé entre dans mariage joie, c'est comme si c'était même l'église qui a exprimé vers Jésus. When you divorce, l'on divorce, you are saying something about Christ and the church. Son expression, on va parler de qui va aller vers Christ avec l'église. You are making you're not telling the truth about what Christ is to the church. C'est comme si vous tordez sa relation chrétienne avec l'église.
Christ will never leave us. Christ pas jamais quitter nous. And if we are to be married, we are supposed to represent Christ in the church, then we should represent that clearly. Marié, vous supposez représenter même relation Christ avec l'église là, c'est même relation avec partenaire là. The divorce rate is nearly twice the rate that it was in 1960. Dans moment on a parlé là, taux de divorce qui gagne ici, il est presque deux fois la valeur ça était connu dans l'année 1960. This survey was done about 10 years ago, even more. I can't imagine what the survey would be like today. Statistics have been fed after 10 years of this, so today it's even more than today. Something that I was reading once before, it was actually very interesting to me. It was a study that someone had done. They studied couples that were very happy within their marriage. They found that many times in these relationships, that there were times where it was very difficult. And there were times where it almost seems as the thing could be broken. But the study shows that the ones who continued to stay married, and they work through those hardships, that their marriage was happier than the other marriages. That all they needed to do was just stay. And although sometimes when we see things, it looks like there's no ending. Sometimes you see what you think the best thing to do is just to leave. But God knows what He's doing. It shows that the people who stay, many times, they become very happy within their marriage. Again, this passage is not to condemn the divorced, but it's to warn those who are married. It's to make us consider how important marriage is. And how serious divorce, Jesus takes divorce. Now, I went and I explained to you how much God hates divorce. We didn't even touch the passage where God even expressly says, I hate divorce. But I want you to see something. Why was there such a confusion about this topic? The reason why there was a confusion is because of Deuteronomy chapter 24, verses 1 through 4. Raison pour laquelle, c'est parce que notre Deutéronome 24, verset 1 à 4. Mm-hmm. We're not going to talk about the whole passage. On va parler de tout passage là, mais on va regarder Deutéronome 24, verset 1 à 4. Après, ça le dit vite. Oh yeah, I'll just read it. Yeah. Let's see. Yeah. It says, when a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes because he has found some indecency in her, and he writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out from this house, and she leaves his house and goes and becomes another man's wife, and if the latter husband turns against her
and writes her a certificate of divorce and puts her it in her hand and sends it out of her house, or if the latter husband dies who took her to be with his wife, and it goes on and on. Yeah, then her former husband, who had sent her away, is not allowed to take her again to be his wife, since she has been defiled, for that is an abomination before the Lord, and you shall not bring the sin on the land which the Lord your God gives you as an inheritance. Okay. So, in this passage, what we see is that Moses, it seems as though Moses allowed the people to have a certificate of divorce. Ça nous est un passage ça, il a paraît que Moïse t'ai permettre mon Dieu gagner ça nous relait un certificat de divorce. And because of that, à cause de cela, there are many people who thought had different ideas of divorce. Some people believed that divorce you can have divorce for anything. We're going to see this next week, but there are some people, if the wife did not cook well, or if the food was too burnt. If that's a reason, then many of us would be divorced, right? I don't know what you're trying to say, but if it's a divorce. No, but there are some people who took it as I can divorce anybody anytime. There were other people who had a more strict view about divorce. So the topic of divorce and remarriage, the discussion, it has been going on for a very long time. Genre de discussion ça soit fait divorce avec le mariage, ça passe. Il y a des années que ça va pas changer. Il y a plus discussion sur les toujours. And so I want us to place this within the context of the Sermon on the Mount. Tant mais nous mettez ça en relief, en perspective de le sermon sur la montagne. So what we find is that Jesus says, last week, that you have heard that it was said, you shall not commit adultery, but even if you look at a woman with lustful intent, you already committed adultery with her in your heart. So, imagine this. Imagine this. Jesus is speaking of adultery. That's the main topic that we're dealing with right now. Divorce is in there. Divorce là dans. But the main thing that Jesus is driving at is adultery. Divorce là dans les, ou bien point principal de ce divorce, même d'arrêt, mais où ça qui est un point essentiel qui connecte avec lui, qui c'est adultère. Now, if you are maybe, let's say, a Pharisee or a Jew, soutenez un pharisien ou bien un juif, you could say, you know what, I didn't commit adultery because all I did was look. Ou tu attendais ça, Jésus dit là, dit bon parce que pas de faire adultère, seul ça me fait c'est garder, me garder. But you committed adultery in your heart already. Alors que Jésus dit, t'es content qu'on mette adultère. But maybe they might try to find another way. Peut-être qu'ils cherchent un autre courbe. They could say, oh, tu as dit, hein? I know what I'll do. Je sais ce que je fais. I like this woman. Moi, j'aime dame ça. But I'm married. Alors marié déjà. Ha. I'll divorce her. And then I'll marry someone else. And then I'm not committing adultery. Jesus says, Jésus dit, that if you do that, so fair, sir, that's adultery. C'est adultère. You follow? The reason why something can be an adultery is because God recognizes that marriage. C'est parce que bon Dieu reconnaît mariage, hein?
And you showing God a certificate of divorce. Mais on même on paraît montrer bon Dieu dit certificat là divorce qui nomme là. It's not what God is looking at. Mais c'est pas papier bon Dieu regarder. He's looking at the marriage. Bon Dieu regarder mariage là. Your little certificate of divorce. Si papier certificat divorce ou. Whatever you do, you go with the other person. Ça se fait ou aller avec l'autre monde non. You are committing adultery. Vous commettez adultère. Because God sees that marriage. Parce que bon Dieu voit mariage. As valid. Now there's many questions that many people will have, of course. You know, there is a lot of confusion about this. People ask questions, if I was remarried, should I divorce my wife and go back to my first wife? I'm going to try to address that again next week, but maybe I should address it now. I'll say no. That's not the answer. Ma réponse non. Réponse là non. C'est pas réponse à ça. Because I don't want. There's going to be 7 days between today and next week, and I don't want things to happen, and then you're going to blame me. Le fait que après 7 jours de jeudi à jusqu'à la semaine, bah voulant qu'un monde a fait mauvaise action là, vous voyez là. So you are not supposed to divorce your current spouse to marry your previous spouse. That is not biblical. We will see. I promise you, I will show you from scripture that that's unbiblical. And some of us might have concerns about perhaps you were an innocent party in someone committing sin against you, and you might have many questions. Rappelons-nous qui concernait le fait que on pense aux victimes et puis au lot monde commet un péché contre eux-mêmes, on n'a pas comme ça pour faire, on a confusion. We will try to get a little bit more into specifics next week. On a essayé un petit genre plus spécifique la semaine prochaine. But I just want to lay the foundation today. I want you to see what the Bible says. That God does hate divorce. Amen? And we should all agree with this view that God, that we should protect marriage as much as possible. Thank you. Now I want us to take this as an application for ourselves. I want us to fight hard. I want us to fight hard to continue to maintain the covenant that we have made before God and before others. Is it easy? It's not easy. Some husbands make it even more difficult, maybe. Or maybe some wives make it much more harder, right? No. But we still have to maintain our covenant. Amen? Look, again, I want you to hear what Jesus says. If your righteousness does not exceed that of the scribes and the Pharisees, which means that your holiness should look so different from the world. That people in the world should look at you and say, I could never do that. That your holiness should look so good. That you're not only, it's not that you're not
murdering people with, you're not just not murdering people, but even in your heart, you're not having hatred for people in your heart. Do you see how hard it is to be a true Christian? That it's not that you're not committing adultery, but even in your heart, you're not committing adultery. The world should look at you and say, the way that you're living is like you. I could never live like that. And you should say, yes, you cannot live like that. But by the grace of God, if you have the Spirit within you, you could do that which you cannot even do today. That if you are a single man, And then you're not going around and you're sleeping around with different people. The world should look at you and say, I cannot do that because that is such a hard way to live. I had conversations with people like that. And I said that, yes, you cannot live like that. Then that's the reason why you need Jesus Christ. Because we cannot be righteous. Our righteousness cannot exceed that of the scribes and the Pharisees. We cannot fast two times a week. But we need the Holy Spirit so that we can do that which we cannot do in this day. And so today I want us to know within marriage that it might be difficult, but you need the Spirit to do that which you cannot do in a normal way. I want you to know something for those of us who've been broken. Some of us have been divorced already. Some of us have been divorced and remarried. Some of us have done it in a biblical way. Some of us may have done it in an unbiblical way. I want you to, again, look, if you have done things and it's unbiblical, you repent. You ask God for forgiveness. But I want you to understand this, that you don't look to yourself and see how many times you have sinned. But I want you to look at Jesus Christ. I want you to look at what the picture of marriage represents. The reason why Jesus doesn't want us to divorce is because Jesus will never leave us. I want us to remember this. No matter how far you've gone, no matter how far you've sinned, Jesus will never leave you. If you are the spouse that says, Lord, I ask for forgiveness, Jesus is the husband that says, I will take you again. No matter how many times we fall, no matter how many things that we've done, and you might feel condemned, but Jesus says, I will not leave you. That all you do is come to Jesus again. And that's the Christian life. The Christian life is that we are all broken. Who dares to say in this building that they are not broken? Who dares to say that they have not done some of these sins that we've seen in this passage? But the good news is that Jesus Christ, he has died for you. As the true husband, he does. And that he has brought you to himself. And he signed a covenant with you in his blood. And he says, I will never leave you nor forsake you. And so one day, we will be
with Christ will be with his bride again. Marissa, Chris, avec madame li, épouse la, and no matter what you've done, quel que soit sort de fait, no matter all the bruises that you had in your life, quel que soit mat, quel que soit flit qui sur, quoi que dans la vie, oh, Jesus will treat you, Jésus a traité, oh, as his bride. Tako, ma belle, madame li, ça. And he will, and you will be with him forever. So don't feel condemned. But I want you to see what Jesus Christ sees about marriage and divorce. That it's a picture for his relationship with the church. And that he loves you. But we must repent and come back to him. Amen. 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 Pendant que frère Yvon monte pour leur chanter chanson pour nous terminer, m'a demandé, bon, nous savons ça déjà, Pasteur Victor, nous savons, on a fait tirer tout de suite après ce service là devant Pasteur Victor, ce Cheron, ce Magali, frère Hubert, ouais, nous pas prendre Marie, sa madame, frère Lacroix, ce NC, ce frère Sam, Joseph, Vanov, Tashni, of course, Sir Rose, and Jessica. So, il a fait tirer là devant, tout de suite après ce service. La paix, bon Dieu avec vous. Bon Dieu béni. Combien de monde qui bénit à travers le message. Maintenant, on va mettre debout pendant que nous allons chanter. Reditez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. L'amour de Christ pour nous. Reditez-moi l'histoire. 85 français, chant d'espérance. Si tu as remettre des histoires ça encore, revive l'histoire ça chaque jour. Nous invitons à mettre debout pendant que nous allons chanter l'ensemble. Redites-moi l'histoire. De l'amour de Jésus, parle-moi de la gloire à laquelle promettre ses vœux. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ me conduit, ils ont comme redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveille ma mémoire, ma route oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, elle répète-la souvent. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin sauveur, celui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, ô redites-moi, lorsque je perds vouloir, un jour lorsque faiblit ma foi, redites-moi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire. De l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire, quand le monde est
Devant sa belle voix, un mot au prix de et pas loin de la terre, je prendrai mon essor, afin dans la paupière, que je l'entends la voix. Redites-moi, redites-moi, l'histoire. Redites-moi, l'histoire. Redites-moi, l'histoire. Prions Dieu, redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Cet amour insondable. Redites-moi cette histoire fascinante, cette histoire qui donne la paix, cette histoire qui assure, qui rassure, cette histoire qui donne la clarté, cette histoire qui nous émerveille. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour cet amour insondable au mystère que tu nous n'abandonneras jamais. Que tu nous ne délaisseras jamais. Cet amour est profond et insondable. Merci, cher Seigneur, depuis 10 heures du matin. Nous sommes là pour t'adorer, présenter devant toi les cris de nos lèvres, participer dans le service. Nous te disons merci. Merci pour le message de ta parole que nous venons d'entendre. Que tu nous aimes. Tu ne nous tiens pas. Tu ne tiens pas compte de nos péchés. Nous, lorsque nous sommes retournés à toi, tu es prêt pour nous pardonner. Pour nous libérer, pour nous affranchir. Merci pour la façon dont tu as utilisé ton serviteur pour nous faire comprendre ce sujet brûlant qui fait couler beaucoup d'encre. Nous te demandons, Père, le courage, la force, la clarté de voir l'Église que tu as aimée tant. Aide-nous, cher Seigneur, à saisir ce message que tu hais le divorce. Absolument, tu hais le divorce. Aide-nous, cher Seigneur, à voir le divorce comme toi. Aide-nous à maintenir l'amour familial. Aide-nous à maintenir chaque jour l'amour les uns pour les autres. Aide-nous, cher Seigneur, à aimer notre femme, notre mari, et les voir comme tu vois l'Église. Aide-nous, accorde-nous cette grâce. Nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes.
ne nous laisse pas avancer dans la voie des pharisiens. Pour n'importe quoi, ils divorcent leurs femmes. Mais cher Seigneur, aide-nous à nous comporter comme de bons chrétiens, des serviteurs de Christ. Des vrais serviteurs. Nous te demandons toutes ces grâces en vertu de nos invitoires. Nous t'en prions au nom de Jésus. À lui seul, la puissance, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dès à présent et pour toujours. Allez-vous tous en paix au nom de Jésus. Amen. Avant d'aller, il y a un petit peu d'annonce. Il y a des boîtes que Frère Marc a déposé là, mais il était distribué un peu le monde, même pas de guetter un peu distribué tout. Je crois que c'est 40 combien qui gagnent, donc il parle pour tout le monde. Mais on a demandé que chaque monde leur a parlé pour une boîte, pas pour un plus que yon. OK? Donc, quand vous êtes dans le hall, on a vu que vous avez parlé dans le salon. Là. Donc, pour une boîte. Que bon Dieu bénisse. Bon, mon notement de l'été, on a mis des chaises là pour vous. So, please, would you part of it? Fajao.